totalement dédicacée aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, ethnologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières, costumière, couturière, façonnière, gantière, lingère, ménagère, guichetière, secrétaire, romancière, aventurière, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste, modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices, désinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices ou galériennes, magiciennes, aux historiennes, bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux pharmaciennes, à toutes celles saisonnières, aux céréalières, aux journalières, qui pour un travail égal à celui qui font le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais